S'il vous plaît. Le simple fait de sortir vous arrêtez, un joint Lambert. Pourrait également je créer vous... des exclamations. François-Michel Lambert qui brandit un joint dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Salut tout le monde, bienvenue à toutes et à tous, je suis tellement content de vous retrouver putain. Après cette longue pause, beaucoup trop longue, 2 semaines de vacances, vous vous rendez compte? Monsieur le Président, Jean Massier est en live. Absolument, quand vous voyez un garde du corps qui s'approche d'Emmanuel Macron comme ça pour lui dire un petit truc dans l'oreille, en général c'est pour lui dire Jean Massier vient de lancer un live. Et Macron qui fait, ok. Bon alors les annonces. Quand même, j'ai des trucs à vous dire. Les amis, la première annonce que je voulais vous faire, vous êtes bientôt 100 000 followers sur ma chaîne Twitch quand même, vous vous rendez compte? C'est pas rien! Alors j'ai essayé de regarder à quoi ça correspondait 100 000 personnes. Alors c'est pas vraiment une jauge intéressante que 100 000 personnes. C'est le nombre de morts du Covid en France. C'est vrai, c'est horrible. Mais oui, pouf, ça fait plaisir, ça fait beaucoup. Ça fait un peu trop. Ça représente le nombre de voix qu'a eu Francis Lalanne. C'est le nombre de personnes qui baissent dans le monde en ce moment. Sérieux, il y a une stat du nombre de personnes en train de baiser? C'est une extrapolation ou il y a des gens qui comptent comment ça se passe? Je veux dire que la technologie satellitaire est allée tellement loin que maintenant on arrive à savoir combien il y a de Covid à l'instant T. Merci Thomas Pesquet, hein. Pour la science. Vous aurez donc 2 best-of par mois. Et la deuxième chose que vous allez avoir, c'est qu'en plus d'avoir 2 best-of par mois, vous allez avoir une vidéo par semaine. En plus des 2 best-of par mois. J'espère que le fonctionnement gouvernemental n'a pas trop dépeint sur toi et que PEMF n'est pas en train d'apprendre ce qu'il va devoir faire en prenant des notes à toute allure. Non, t'inquiète pas, on s'est déjà calé avec PEMF, etc. C'est lui qui m'a proposé de faire ça et tout, donc tout va bien. Je tombe des nues, un scandale. Mais genre, j'aurais jamais le temps de faire ça. Mais si, je m'y engage personnellement. Je vais participer à la Zilan avec 2 acolytes de grande qualité. Il s'agit d'Hugo Lisoire et de Bauer Part en Live. Pendant tout le mois de mai, je vais faire pas mal de streams de jeux vidéo, beaucoup de training sur plein de jeux. J'arriverai jamais à sauter. Une 14, bah pff, même temps. Je suis premier. Let's go. Clipez ça. Nonza Marina de Patrimonio. Ah non mais hein, c'est en Corse ça, regarde, ils ont rayé les trucs totalement en Corse. Totalement en Corse. C'est quoi ton problème? Putain, j'étais en Sardaigne. Et quel con, j'ai pas envie de fâcher les Corses. J'étais vraiment en train de chercher en Sardaigne là. Le connard de Parisien qui dit non mais c'est une île en Méditerranée ça, il y en a pas 1000 hein. Il est secrétaire de la mission d'information sur les différences d'usage du cannabis. Le fait de montrer ce gobelet pourrait m'inquiéter. Je pourrais être inquiété pour montrer la légalisation du cannabis. S'il vous plaît. Le simple fait de sortir vous arrêtez, un joint Monsieur Lambert. Pourrait également je créer vous... des exclamations. François-Michel Lambert qui brandit un joint dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Smoke weed every day. Il y a un incident de séance, le président de l'Assemblée nationale est en train de se tourner vers son conseiller pour savoir s'il doit sévir ou pas. Je vous rappelle au règlement et ce sera inscrit au procès-verbal. Rappel au règlement avec inscription au procès-verbal, c'est une sanction contre le député François-Michel Lambert. François-Michel Lambert qui vient donc d'être sanctionné en direct pour avoir brandi un joint dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale en soutien à sa proposition de légaliser le cannabis. Il y a surtout des légendes à la buvette de députés raides bourrés. L'alcool peut aider le parlementarisme. De la même manière que l'alcool peut aider les négociations commerciales, et bah les députés c'est pareil. Non mais tu veux que je te dise, moi je pense que ton amendement il est pas mauvais en fait. Non mais en fait. Ouais, t'as pas tort. Je vois ce que tu veux dire, tu vois. Non mais bon, t'es un gauchiste, tu m'énerves. Mais en même temps, je comprends pourquoi t'es comme ça. Non mais tu... Ouais. Bon, c'est vrai que je suis un peu raide parfois quand je m'oppose et tout. Mais c'est vrai que bon... Écoute, tu sais quoi? Non mais tu sais quoi? Allez, on vote ton amendement. Et toi, tu nous soutiens sur la commission d'enquête machin. Ouais, ok. Allez, compromis, top là. On s'en resserre un coup. Le fonctionnaire de l'Assemblée qui disait ils sont bizarres les nouveaux députés en marche. Ils mangent des sandwichs dans leur bureau en travaillant. Ils arrivent à la buvette, ils demandent du Coca Zéro. Nous on n'avait pas de Coca Zéro à la carte avant que la République en marche arrive. On avait que du pinard. Avant, il y avait du vieux socialiste et du vieux UMP et du vieux communiste. Voilà, c'était du rouge et de la bière. Là les mecs ils arrivent en marche, Tatex, Startup Nation. Bonjour monsieur, vous auriez un Coca Zéro s'il vous plaît? Ou un Perrier Citron? Ils sont pressés, les mecs d'en marche ils sont pressés, ils bossent. Les députés d'avant ils en foutaient pas une, on les connaissait. Ils étaient torchés à 17h, voilà. Les mecs d'en marche ils sont dans leur bureau, ils travaillent jusqu'à 23h. Ils ont rien respecté. Ouf, un sandwich comme ça et tout. Oui, c'était un sandwich, ça. Bon, calmez-vous. Est-ce qu'ils vont faire une minute de silence pour la mort de Napoléon? Ça fait 200 ans, les gars, ça va. C'est l'anniversaire de la naissance de Karl Marx. Karl Marx a été empereur des Français. Il y a une partie de l'histoire de France que j'ai oubliée. Donc ça arrive que des sénateurs ne donnent pas leurs questions à l'avance au gouvernement. Le gouvernement, ça l'empêche pas de deviner la question. La sénatrice des Yvelines pose une question au gouvernement. A priori, elle va parler du meurtre à Rambouillet, tu vois. C'est pas absurde de dire que ça a bonne chance de tomber sur ce sujet-là. Comme vous, quand vous faites des fiches de révision pour vos, pour vos oraux, bah c'est pareil. Préparez vos sujets. Vous avez des fiches de révision. Bah c'est pareil, le gouvernement, il a ses fiches de révision. Mais c'est exactement ça, hein. Les fiches qu'ont les membres du gouvernement sous les mains, c'est des réponses préparées par leurs collaborateurs sur tous les sujets d'actualité. En mode, bah si on te pose une question sur le meurtre de Rambouillet, tiens, t'as une fiche Rambouillet, ils ont plein de fiches. En général, un ministre connaît assez bien
atteint son champ ministériel, heureusement. En général, il sait quoi répondre sur l'essentiel des questions. Quoi. Vous connaissez la phrase de Coubertin, l'essentiel c'est de participer. Il faut de temps en temps gagner. Chercher aussi. À gagner. Sinon c'est comme le PSG, on termine jamais en finale. Les gens qui arrivent sur le stream doivent penser que Jean est mort, il stream depuis là-haut. En direct du paradis. Ah, c'est tout blanc, hein. C'est un peu austère, mais bon, c'est lumineux au moins. Voilà, on est dans l'hémicycle du Parlement européen à Strasbourg. Vous voyez, il y a des écrans avec des citoyens européens, il y a 1000 citoyens européens qui sont connectés en visio, comme n'en touche pas à mon poste, mais en mieux. C'est une petite vidéo de présentation, vous voyez beaucoup de sujets d'actualité, des sujets historiques, ça c'était la chute du mur de Berlin évidemment. L'éducation. Le Covid. L'innovation. L'informatique. Twitch. Le tir à l'arc, les bisous. Voilà, on a eu le plaisir de voir cette conférence, enfin le plaisir, de voir le lancement de cette conférence sur l'avenir de l'Europe. On a entendu beaucoup de discours politiques, c'est sympa les discours politiques, on aime bien. Mais nous, ce qu'on aime bien aussi, c'est la diversité des opinions. Et malheureusement, comme c'était pas une séance plénière du Parlement européen à proprement parler, on n'a pas eu de prise de parole des députés européens. Mais grâce à moi et grâce au Parlement européen avec qui je suis partenaire, on va pouvoir enfin avoir la réaction, si je puis dire, de parlementaires européens au lancement de cette conférence pour l'avenir de l'Europe. Et donc, je vous prie de bien vouloir accueillir mes invités. Les deux premiers invités sont déjà arrivés. Il s'agit de Manuel Bompard et Sylvie Guillaume. Merci à vous deux d'avoir accepté mon invitation. On va être rejoint par Geoffroy Didier, qui est également un de vos collègues députés européens. On a entendu tout à l'heure, là encore, des discours de très bonnes intentions de la part des dirigeants de nos institutions européennes, nous appelant à la participation. Est-ce que vous aussi, Didier Guillaume, vous considérez qu'il est temps que l'Europe se mette à faire de la démocratie participative, ou est-ce que tout ça c'est un gadget? Comment vous voyez? Didier Guillaume, est-ce que c'est moi? Oui, oui, c'est vous. Qu'est-ce que j'ai dit? Geoffroy Didier, qu'est-ce que j'ai dit? Putain, je suis désolé. C'est Geoffroy Didier et Sylvie Guillaume par ailleurs. Je savais qu'il fallait que je la fasse l'erreur. Je sais, Diogo, c'est pour ça que j'ai confondu. Il fallait que je la fasse une fois. Merci Sandro Gozzi. Michel Rubirola, à votre tour, l'avenir de l'Europe selon vous? Alors c'est Michel Rivasi. Michel Rivasi, faut vraiment que j'arrête, je suis désolé, putain. Pardon. Sylvie Guillaume, à votre tour pour le mot de la conclusion. Bon, d'abord, je crois qu'il faut vous remercier beaucoup, Laurent de la housse de ce. Merci d'avoir mis l'Union européenne au centre de nos discussions. Merci Lighthammer pour les 10 subs également offerts au chat. Merci beaucoup. Non, je fais pas mes meilleures réactions, mais merci. En vrai, ça fait super plaisir. C'est le stream de la déprime. Non, mais merci à tous. Hein, ça fait plaisir. Merci pour vos abonnements. C'est cool. Je sais pas quoi faire de votre argent. Bon, c'est votre problème. Hein. Étoile sort de ce corps. Mais non, Étoile. Mais non, mais des gros bisous à Étoile, évidemment. Georges Marchais, il avait dit Mitran sur des plateaux. Merci Camouflage Caca pour ton resub. Pas facile tous les jours hein, de parler de Mitterrand et de remercier Camouflage Caca dans la foulée. On écoute Clémentine Autain pour la France Insoumise. J'attends qu'il se calme. Ah. Ah, écoutez, allez-y. Quand le roi vient de vos rangs, ça ne vous irrite point. Alors, vous avez la parole, prenez-la. Ça va, là, toi? Eh, t'es président de quoi, au juge? Vous avez la parole. Ouais, bah tu gardes tes remarques. Et vous gardez les vôtres aussi, monsieur Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui tutoie le président. Parce que nos compatriotes fassent le choix de la France, parce que la France, eh bien, en faisant le tour de France, vous faites aussi le tour du monde à travers la diversité. Ah, c'est beau. Ah ouais, si vous êtes européen et que vous avez l'intention de faire du tourisme cet été, vous venez en France. Hein. Venez en Bretagne, au Mont-Saint-Michel, par exemple. Vous verrez, c'est splendide. Sébastien Jumel, député communiste de Seine-Maritime. Le gouvernement connaît le projet H, en gestation cachée depuis plusieurs mois. Projet H? Non, je connais la série. Est-ce qu'un membre du gouvernement pourrait éclairer notre lanterne, fût-ce par oui ou non? Notre assemblée, les Français, aimeraient savoir si quelqu'un a connaissance de ce projet H. Non. Non. Là vraiment, je sèche. Projet H. Alain, t'as intérêt à avoir la réponse. Hein. Alain, on compte tout sur toi. Là, moi, je sèche à mort. Hein. Alain, réfléchis bien. Hein. Monsieur le député Jumel, effectivement, au gouvernement, nous connaissons le projet H. Bye bye. En vrai, c'est une bonne réponse, Alain Griset. Est-ce qu'on connaît? Ouais. Et alors? Bonne réponse. Pour un sujet de cette importance, avoir un ministre de plein exercice, ça serait une marque de respect à l'égard du Parlement. Mais enfin, le jeu des devinettes, c'est pas une marque de clarté. H comme Hercule. Le vaccin sert à quoi contre un virus qui n'existe pas? Mais t'es sûr qu'il existe, le vaccin? On a déjà vu, hein. Si ça se trouve, c'est une mise en scène. Hein. Y a pas vraiment de centre de vaccination. C'est des acteurs. Ouais, parce que c'est un peu la galère pour les intermittents du spectacle en ce moment. Du coup, ils en ont foutu plusieurs centaines dans des grands stades comme ça. Ils ont fait semblant de faire des vaccinations. J'ai jamais rencontré de vaccin, à titre personnel. Les ministres distribuent la parole maintenant. Mais donc la parole est à Madame Gourou. Voilà. Merci, monsieur le président. Non, mais vous savez qu'on a toutes les tendresses pour vous, madame. Merci. I'm forever yours. Ah, la ministre des territoires, ça fait Marie-Jean Castex aussi, la ministre des territoires, que les sénateurs aiment bien, les sénateurs, ils aiment bien les territoires. Les internautes n'ont pas bité un foutre mot à cette histoire de numerus apertus, Tam. Un jour, si j'en ai plus rien à foutre, je dirais, on n'a rien bité, Tam, putain, on était largués, tu te rends pas compte. Oh, l'autre avec sa question imbitable, là, et le ministre qui enquille sur... oh là là. Ah non, mais nous, on était largués, hein.
On comprend rien. Hein. T'imagines le commentaire des questions au gouvernement en version PMU de C. Oh, comment c'est chaud là, comment ils lui ont envoyé le. Oh là là, le scud dans la tête. Boum. Et là, le ministre, il arrive, tac tac, boum. Attends, c'était ouf. Nous, on était là, bra bra. Bref, un jour. Alors, vous vouliez faire quoi plus tard quand vous étiez jeune, avant même Mathieu de Maspé? Vous aviez déjà un plan de carrière Alors, je voulais même faire de la physique nucléaire. Extraordinaire. Physique nucléaire je voulais vraiment faire c'est de la physique. Quand même, hein. Je voulais faire de la physique nucléaire, donc j'avais des gros bouquins sur la physique nucléaire et tout ça. Et puis après, quand en Maspé, j'ai vu que je faisais des erreurs de calcul, je me suis dit que pour la France, c'était mieux que je fasse pas de la physique nucléaire. On vous en remercie. Et puis moi, je me souviens toujours, feu mon grand-père me dit, j'avais 9-10 ans, il dit, ah, c'est bizarre qu'à ton âge, tu t'intéresses à ça. Il m'a dit, tu feras clown ou politique. Et ben j'avoue que j'ai toujours pas choisi. D'accord. Et donc, j'ai pris ma carte au RPR et mon premier acte militant a été de distribuer des pommes, parce qu'à l'époque, Jacques Chirac, c'était manger des pommes. J'aime beaucoup les pommes. Mon premier acte militant a été de distribuer des pommes. Je suis un mangeur de pommes. Alors, c'était chic, c'était sur les Champs-Élysées, parce que le premier rendez-vous qu'on m'avait filé à ce moment-là, en disant, bah, on distribue sur les Champs. Alors, moi, j'ai distribué sur les Champs. J'aime bien le cidre aussi.